Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exemples d'exercices de navigation que le commandant Hubert de Fraissinet vous présentera tout au long de votre croisière sur la péniche Harmonica dans le cadre de la formation complète. Alors voici votre tout premier exercice de navigation, c'est-à-dire ce que vous serez joué après un cours seulement, même si vous n'aviez jamais fait de musique auparavant. À présent, l'exercice de navigation numéro 7, c'est-à-dire au bout d'une seule semaine de cours. On change de rythme à présent pour la valse jazz, avec l'exercice numéro 14, c'est-à-dire au bout de deux semaines de cours. Si vous continuez tout au long de la croisière de faire un exercice de navigation par jour, voici ce que vous serez joué au bout du 35e, c'est-à-dire au bout de 5 semaines de cours seulement. Dernier exemple, le 49e, au bout de 7 semaines d'entraînement, c'est-à-dire moins de 2 mois après avoir commencé votre premier cours, même si vous n'aviez jamais fait de musique, voici ce que vous allez pouvoir jouer.
Tous ces exemples ont été joués sur un accompagnement jazz, mais le blues ne sera pas en reste. Dans 2 jours, je publierai ici même, sur cet article, une autre vidéo montrant ce que vous serez joué bientôt en blues. Vous avez apprécié cette vidéo ? Alors partagez-la sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Google+, LinkedIn, etc. Vous trouverez les boutons de partage sous cette vidéo. Maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Qu'aimeriez-vous travailler en priorité à l'harmonica dans le cadre de la formation complète ? Répondez à cette question dans les commentaires. C'est pareil, sous la vidéo, vous avez une zone de commentaires et vous pouvez répondre à cette question. Donc, qu'aimeriez-vous travailler à l'harmonica dans le cadre de la formation complète ? Si vous avez des questions à propos de cette formation, n'hésitez pas à les poser également dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai sans faute. À très vite !